Le projet de diffusion à large échelle des technologies du placement profond des engrais et de la microdose a, durant ses deux premières années d'activité, centré la vulgarisation de ces deux technologies sur les visites commentées des parcelles de démonstration, les émissions sur les radios locales, les médias d'État, entre autres. Pour davantage mobiliser le maximum de producteurs autour des deux technologies, l'IFDC entend mettre en œuvre, à partir de cette campagne agricole 2016-2017, une nouvelle méthode appelée digitalisation des démonstrations des technologies. Qui veut dire qu'on réduit l'installation des démonstrations et les visites commentées au minimum près. Et ce minimum, il est capitalisé sur le plan audiovisuel et on en fait des films. Et ce sont ces films-là qu'on va mettre à la disposition des agents d'encadrement qui vont à leur tour organiser des sessions au niveau village pour projeter ces films. Il s'agit en effet de renforcer pendant 2 jours les capacités des agents d'encadrement commis par l'IFDC parmi les 14 partenaires techniques d'exécution venus des régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. Ils doivent à leur tour former plus de 13 000 producteurs à travers des séances de projection vidéo suivies des débats dans les localités ciblées. Avec cette technologie, nous pensons que nous allons atteindre le plus grand nombre de producteurs. Et surtout que quand vous avez la technologie en face de vous, vous pouvez l'appliquer facilement parce que vous voyez les images. Le projet FDP-MD, faut-il le rappeler, a pour but de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des petites exploitations agricoles et des agro-entrepreneurs ruraux au Mali. Il est financé par l'USAID à travers l'initiative présidentielle FIDV Future.